Comment ça se passe une négociation? Vous êtes ça dépend des fois. Il y a des moments où c'est raide, on va dire. Il y a des gens qui aimeraient bien partir avec tout pour pas grand chose. Et vous avez déjà des prix quand même qui sont fixés ou bien sont un petit peu sur le moment vous choisissez? On a une base et puis après on descend. Et après on descend ou alors c'est au feeling, ça dépend. On n'a pas. C'est pas précis quoi. J'arrive. Marche au moins ce qui est là. J'ai 30 euros à dépenser. Elle est sympa. Elle viendra tout à l'heure. Quelle est la différence entre un vide-grenier et une brocante? C'est pas des professionnels qui vendent. Un vide-grenier sera vidé son grenier. On a le droit deux fois par an de changer ce qu'on a chez soi. Je m'ai dit 2 euros, j'en ai quand même pas marchandé. Ah, je trouvais que c'était intéressant, donc voilà. Qu'est-ce que vous venez chercher d'habitude ici, dans les puces? Je fouille et puis c'est un coup de cœur. D'accord. Voilà, donc là j'ai des bouquins et un jouet pour mon petit fils. C'est parfait. Voilà. Non, c'est le dessin. Le dessin. Ah, c'est le dessin. Ah bon? Oui, c'est pareil, autrement j'aurais pas demandé. Non, c'est le motif qui est dessus. Oui. On fait de bonnes petites affaires et voilà, déligner un petit peu des choses inutiles à la maison qui feront plaisir à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous pensez qui se vendra mieux? Mon fils espère vendre sa belle guitare. Voilà, l'espérance du jour, la grande espérance. Après, c'est des babioles. Ce sont des babioles. Vous êtes prêt à mettre jusque... Aucune idée, parce qu'il y a des choses. Vous pouvez mettre 200 euros pour... Ah oui, ça se peut. Voilà, ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. On peut partir de 5 euros, disons, jusqu'à 200 euros, sur la chose. C'est naturel. Aïe, aïe, aïe. Merci.